C'est pire que le Kanchenjunga là. Tous ces caillasses et tout. Bon. Ah, on a vu. Oh oh. Il est là-bas, regarde. Viens, viens, tu le vois. Je le vois, entre les arbres. Oui, attends. Regarde là-bas. T'as l'élastique, tu sais, il s'en va. Il est parti, non? Je le vois plus. Ouais. Qui c'est celui-là? Ah, mais c'est Robert! Et comme il part jamais alors, sans sa femme, voilà, elle doit être pas loin. Elle est là. Elle est là. Voilà, ici, ici, on est dans un bois de Pinlariccio. C'est un arbre endémique à la Corse, qui est un pin. Alors vous voyez, il est tout droit. Il est très vertical. Il a des petites pignes. Voilà, tout droit avec des petites pignes. Vous voyez, comme ça, bon, là, j'en ai pas sous la main. Alors cet arbre-là, on le trouve à 99% naturellement en Corse. Il y en a un peu en Sicile et un peu en Sardaigne. Et dans cet arbre-là, sur cet arbre-là, il y a le seul oiseau endémique d'Europe, qui est la Citelle corse. La Citelle, c'est des oiseaux qui... Donc l'idée, c'est de faire le trou de la bombe, là qui est en face, donc ça descend et on remonte. Et d'aller au bout du trou de la bombe, parce que jusqu'à 50 mètres avant le trou de la bombe, c'est du gâteau. Après, ça se complique un peu. Derrière le plateau, il y a un rocher, un gros mégalithe qui fait 200 mètres de haut, qu'on appelle le campanile de Sainte-Lucie. Donc c'est d'aller voir ce campanile de Sainte-Lucie. Ensuite, de redescendre et d'aller faire ce sommet-là, Punta di Velaco. On voit, regardez, il y a... Non, il y a une croix là-haut. Oui, il y a la croix. Il y a une croix. En haut. Il y a une terrasse. Voilà. Depuis taper le jaune, c'est technique, c'est technique. Alors, regarde, tu veux que je te montre? Si jamais ça... Je vous l'explique. Hein. Si jamais ça se passe, que les bâtons vont suivre. C'est parce que ça, c'est pas assez serré. Alors, on peut délicatement cracher dessus. En général, ça permet de cracher de faire coulisser mieux. Voilà. Bon, maintenant, tout le monde va cracher sur ses bâtons. Allez, ouais, lui aussi, là. Si jamais on voit qu'il n'arrive pas à... Alors là, il est pris. Mais sinon, on le met là, on le met juste au bout, et là, on peut le visser un petit peu, on le rentre, et petit à petit, on le serre. Ah, d'accord, voilà. Le code, je suis dit, c'est là. Voilà. Nous allons voir Georges se coincer entre deux falaises. Allez. Bon, regarde. Ah, c'est la mer là-bas, oh, magnifique, j'avais pas fait attention. Je faisais pas attention. C'est ça qui me bloque. Peut-être qu'on peut aller prendre. Ah, c'est magnifique. Non, je pense pas. Ouais. Non, on va faire des nœuds. Thank you.
comme celui-là ou celui-là, on voit, tu vois l'île d'Elbe, partant vers l'Italie jusqu'à Rome. Et de ce côté-là, tu arrives à voir la Sardaigne. Voilà, là, de ce côté, tu vois que la mer. Hein. Tu vois pas l'Espagne. Hein. Moi, je vois l'Espagne. De chez toi, oui. Ouais. Eh oui, là-bas, oui. Bon Eric, qu'est-ce que tu nous fais faire ce bâtel là? Il sait pas quoi, ça commence bien. Alors, tu veux nous perdre? Oui, bien sûr. Une éolienne. En gros, ouais. Alors d'abord, il y a une petite montée, descente. On dit one-two. Descente par le long de la chaîne. Non, mais tu résumes, parce que Après, on va pas passer tout le film. On va pas marcher, puis après on revient ici, on surveille. Voilà, bon, impeccable. Allez, c'est bon. Allez. Bon, là, on peut regarder l'intérieur, là. Ouais. Cinq lits superposés. Voilà. Tu peux se tenir 10 jours à ce rythme, Gérard? Eh bien, on va essayer. On va juste voir si c'est pire. Ça rigole pas ce matin, tout le monde est sérieux là. Hein. Chacun se prépare dans son coin. On ajuste les. Ça va, vous n'êtes pas trop prématuré? Oui, il y en a deux, ça suffit. Il y en a déjà deux. Qu'est-ce que tu bois là? Là, il y en a une, et celle-là. Je me shoote. Ah, tu te shootes? Tu m'as regardé. Alors, c'est un par personne. Tout le monde ferme ou quoi? Oh, t'en prends pas? Non. Mais là, on ne prend pas de chapitre. C'est joli. On est obligé de faire confiance au guide. Le GR, il reste sur le GR, ils font pas des variantes. Non. T'es obligé de. Bye. Que de face, c'est pas bien, tu te tournes. Je te tiens, Georges. Tu me tiens? N'aie pas peur, je tiens la chaîne. Et maintenant, descends ton pied, pied droit. Voilà, pied droit. Voilà. C'est vrai? T'as vu, regarde? T'as un autre qui arrive, regarde-le! Oui, ils sont pleins de. Ils sont tous à tel mec. Il y a des petits marchands du nom, ils achètent des feuilles, ils mettent des trucs dedans. Alors, tu peux commander le. Mmh.
les grattes qui commencent. Tu nous fais la confiture ce soir alors Ah ouais. Georges, au Cap-Brelin, enfin, confiture de gratte-cul. Tu fais la petite, tu vois la tour numéro 1, tu fais le petit truc, tu fais le sommet, tu redescends en rappel dans le V et tu remontes sur l'arête en haut. Ça doit se faire, le vrai. Ah, mais ça, c'est... Oui. Je crois que c'est intéressant de filmer le remplissage des bouteilles d'eau. Avec toi en vedette, oui. Tu vas le couper au montage, ça, non? Ouais, je vais le couper au montage, ça. Je pense, hein. Tu passionneras pas les foules, hein, ce genre d'extrait. T'as mis les chaussures de randonnée, ah ouais. C'est con. Il y a des cons à Rodez. Hein. Oh, tu me regardes. Les cambachous sur pattes. Ils sont pas sur grand ces cochons. Hein. Non, mais ils sont bons comme ça. Bon, apparemment, ils ont l'air à peu près en forme, là, hein. Ah ouais. Ouais. Surtout Georges. Ouais. Bon, vous avez bien dormi? Bon, voilà. Arrête. Ouais. Parlez pas tous au même temps, hein. Non. Ah bon, ça, Tu vis de le réservoir pour t'alléger? Pour la côte? J'ai foutu presque 2 litres, c'est la connerie. Ouais, je là, passe pas, non. Ah, il a la chaleur qui fait. On refait le plein. T'en auras besoin, hein. Ils savent pas où ils volent, là. Hein. Alors, tu disais que... Alors je disais que, je sais pas si tu veux faire le plus grand arbre de Corse, qui faisait plus de 50 mètres, qui a été foudroyé, et donc maintenant qui fait plus qu'une trentaine de mètres. Enfin bon, plus que. Voilà, voilà. Tu fais le jeu d'avant. Salade. Ah, il y a même eu le pâté, dit. Ouais. Le verre de vin est très original. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme vin? Je sais pas, mais je peux pas le savoir. Un Bordeaux exceptionnel. Les Corses. Oh, il y a de la myrte dans ce vin. C'est exceptionnel. C'est ça, mais j'ai pas envie. C'est la saucisse de yak, c'est quoi là, hein, ça nous a fait là. Saucisse de foie. T'en as dans les Pyrénées aussi. Hein. Un figatello, des figatelli. Comment ça s'appelle? Figatelli. Et c'est veilleux.
plus ou moins là, comme ça. On a mangé par ici, et maintenant on est ici. Et on va. Et on va. Et après, on va, je pense qu'on va, vu l'heure, on va rentrer par le même chemin. C'est sa maison d'habitation. Là, c'est la bergerie. Il y est le berger là ? Non, non. Il est redescendu depuis un mois. Enfin, les bêtes, ils y sont pourtant. Il y a les vachettes là-haut, il y a tout. Ah non, c'est pour les brebis. Hein. Les vachettes. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Sans personne. Sans personne, c'est vrai ? Si, elles sont à des gens, mais elles redescendent toutes seules. Quoi. Ah ok. Avec la neige, elles descendent. Oui, voilà. Et qui fait mauvais, les chevaux, ils crèvent là-haut. Ah ouais. Allez, on va visiter le 3 étoiles là. Je te signale que c'est moins bordélique que dans les tentes de Capel Jaune là-bas. C'est bon, ouais. Mais je cherche ma toilette. Le sketch habituel. Ça, si on n'a pas le sketch de Georges qui cherche ses affaires. Hein. Voilà. Ah tiens, attends, il y a l'un. Jean-Claude, je sais pas ce qu'il fait. On met de la batterie. Ah. Très peu chargé. Bon, mais voilà, on a vu à peu près à quoi ça ressemblait. Hein. Le lavabo, bon, qui ne s'évacue pas, c'est pas grave. Et le couloir. Il y a tout pour changer les téléphones, c'est pas mal. Ah si. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah, c'est rare de voir ça. Pour changer les téléphones, casiers spéciaux. Quel est le programme aujourd'hui ? On monte, on mange et on descend. Ouais. Et on monte, on ça monte. Voilà, en gros, on monte à quelle altitude ? Alors, on monte à 2350. Moi, j'ai mal aux épaules. Montée d'or. Et on est, alors, et on est à combien ici ? On est à 1100. Et dans le mot montée d'or, il ne faut pas penser or de l'or, il faut penser oro comme orographique, comme le mont d'or. C'est pas parce qu'il y a de l'or, c'est parce qu'il y a de l'eau. Oro. Bon, quel est l'état des troupes là ? Bien. Bien ? Et dans quel état terre ? Très bien. On verra ce soir. On verra en troisième mi-temps. Bon, je reposerai la même question ce soir alors. Donc là, on est sur un fort que les Français ont construit en 1780 pour sécuriser le col. Parce que c'était bourré de bandits. De bandits, hein, pas tellement
de gens qui de maquisards, enfin donc ils s'étaient plutôt de bandits. Et ils ont fait deux forts, un ici et un à peu près à 4 km d'ici. Et il n'a jamais été attaqué, c'est juste qu'il a été pillé. Et il a été abandonné par l'armée et les gens sont venus se servir sur les pierres. Ça a servi de carrière. Gérard, c'est. C'est vrai que ça ressemble à un colon. Allez, vite, avance ! Mais je veux pas le. Mais si, chercher cette prise de vie. Alors, non, au contraire. Non, mais si je comprends bien, on monte là-haut. Voilà. Ouais. Si je comprends bien, regarde ce qui nous attend, gros, Gérard. Voilà, les cycles amènent. Encore 4 heures de marche. Passé par le bon endroit, Georges. Pourquoi? Bah vas-y, alors envoie tes bâtons. Ouais, écoutez, t'es un vieux monsieur. Donne. Attends. Tu sais. Tu tapotes un peu sur le rocher et tu tires sur tes bras. Monte tes jambes. Regarde, viens plutôt par là. Qui, moi? Ouais, Marie. Et là, tu c'est plus difficile, mais enfin, passe. Oh, là-bas, il y a le vide, hein. Ah, c'est pas. Non, il faut fouiller. Écoutez. Ouais. Alors, celui-là, c'est le cardo. Et ça revient au même. Hein. Ouais. Si tu pars de 200 mètres. Hein. Là, cardo. Ouais. Alors, ça, c'est une montagne qu'on peut faire de corté. Et tu as 2000 mètres de montée. Tu pars de 400 mètres et tu arrives à 2004. Et la paglia orba. La paglia orba, regarde, c'est ce qu'il y a. Tu vois là-bas, tout à fait au bout. Ouais. Tu as le nuage qui est au-dessus. Tu vois, celle au fond. Ah d'accord. Ouais. L'idée c'est de monter les jambes et de pousser sur tes jambes. Alors attends. Monte tes jambes, là tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut d'abord monter les jambes. Non pas comme. Ouais. Pas ouais, c'est plus beau, c'est bien. Et de temps en temps attirer, mais vraiment quand c'est là. Oui, c'est pas la descente. Mais monter, oh. Tu peux pas monter. Tu vas descendre. Ben moi, ça m'arrangera à descendre. Moi j'ai planté les pieds à l'air. Tu veux qu'on te prenne, Gérard, sinon tu ne seras jamais sur tes films. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, nous sommes aux montées des Oraux, de la commune de Bastia. C'est la commune de Bastia ici? Non, c'est Wouhou pas Bastia. Wouhou Wouhou. Tiens. Il y en a un qui sort en fait. Hein. Non, mais ma gueule. Gérard. Tu veux qu'on le pousse, hein? Allez. C'est Gérard. Tu la vérifies quand même.
ils te disent les Chinois, tu casses un œuf, il y a du blanc et du jaune, tu mélanges. C'est jaune. On est foutu. Et du coup, Jean-Marc, qui sait pas quoi dire. Ouais, les blagues, là, tu l'as assis, là. T'as fait quoi de rire en première année, là, Bastien, toi, là, à l'université. T'as été recalé. École de rire en première année, recalé. T'étais pas avec les Chinois, toi, à la classe. Avec des oréos, là, c'est bon. Hein. Ah, mais elles sont venues, là. Ah, elles sont encore... Non, franchement, oui, non, mais... pour ça, des mieux. Je t'aime un peu ton métier ou ton entreprise. On a intérêt à parler de la moquette. On va rejoindre la route juste pour une centaine de mètres. On va monter au fort, comme on a fait hier. Les trois clapasses qu'il y a là, que tu nous as montré. Ouais, et après on va là, ici, pointe à la... Oh, putain, j'ai pas les yeux. Corbadio, là, c'est-à-dire à la pointe au Corbeau. Ouais. Et on descend ici, aux bergeries, et on revient par le GR. Ouais. Et hier soir, on était là. Hier soir, on était là, arrivé là. Ça, c'est le GR par de ce côté. Nous, on a fait ça. Et on est monté comme ça, si tu veux. On a fait le tour. Le sentier fait comme ça. Bon, okay. Tac. Ça va? Dis, tu m'as regardé. Oh, t'arrêtes de dévisager ma soeur. T'es, ils ont une démarche aérienne ce matin. Je sais pas ce qui se passe. Même Robert. Bon, quant à Jean-Claude, décontracté. Bon, t'as pas besoin des bateaux, Jean-Claude, là. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chemin sans trop de cailloux. Et en plus, large. Ça va pas durer. Qu'est-ce que tu nous fais, Georges, là? Mangiant quelque chose, ça. À 20 ans, nous n'avons pas trop mangé. Quand même, il y a un goût, on pas, ouais. Bon, et pour ceux qui parlent pas patois, alors c'est... C'est des murs. Et Robert, bien sûr, qui téléphone. Ça sonne. Allez, Eric. Allez. Voilà, il y en a qui travaillent, les autres ils bouffent. Ouais. Et après, je sais pas. Ah non, ils sont tranquilles. Moi, je suis habitué à ce qu'on m'explique les plats, là, parce qu'il n'y a pas... Ben, c'est écrit. Là-bas, c'est joli, derrière. Alors, c'est toujours les fameuses figatelli, là. Ouais. Et saucisse de foin. Là, il me faut, par contre. Dans une boîte de pâté. On dirait que le temps se couvre. Et t'as pas le sang, j'espère. Ouais, je vais dire des conneries. Les bouchers charcutiers à l'époque, ils étaient presque maquignons. Ouais.
avec tout. Bah ouais, ils étaient autonomes là. Hein. Il n'y avait pas de sous-traitance comme maintenant. Quoi. Puis bon, moi j'avais toute la famille, mon oncle. Non, mais ils sont pour faire des veaux. Pour faire des veaux, merci moi. Alors tu fais du veau blanc comme on fait beaucoup chez nous. Le veau blanc, il est plus jeune. Ah, tu veux, le veau blanc, il n'écoute pas. Il n'est pas l'esprit. Toi, tu l'as équipé, mais comme. Bon, il est normalement 16h30. Ils ont des expressions, ils disent à mourir. On pousse un morceau quand ils conduisent la nuit. Mais c'est bon. Le 13, c'est pareil, ils poussent un morceau. Alors, sa copine dit à ma fille, c'est ton père qui pousse la noirceur sur le coup, puis t'es on verra dans le chat là. Elle est filmée. Avec un wagon. Ah, c'est à l'autre côté. Le chat est allé. Salut. Oh. Où partons? Allez, séance de kiné. Attention. Attention, hein. Merde. Il arrive au bon moment. J'ai mon couteau. Alors, c'est pour écarter la... Qui c'est qui ramasse là les 10 euros là. Ah, attends, mais moi je vais te le prendre, le vin, t'en as pas bu, laisse tomber, je le prends. Tu rigoles j'ai bu quoi pour deux, j'ai bu non, pour non, deux, non, moi. Non, je suis pas d'amour, pas de vin, Fred. Allez, c'est beau, c'était exceptionnel, ce soir je vais en boire, tu vois. C'est toute l'année que je... Eh non, allez, c'est bon. Il a bu comme un trou, il recule. Pas je dois rentrer à la citadelle où fait les tours, ouais. Il y a une petite église. Ouais. Et à l'église, dans l'escalier, vous descendez comme ça. Ouais, l'escalier, ouais. C'est pas un escalier. Enfin, c'est, ben oui, je sais, c'est une rampe. C'est une rampe, oui, oui. Avec des galets comme ça. Oui, oui, voilà, ouais. Et ouais. Le premier à droite ou le deuxième. Le premier ou le deuxième, ils sont bons. Bon, c'est là où il y a le drapeau corse. Ah, je sais pas. Le drapeau corse. Non, mais il y a un drapeau corse qui fait. Si, c'est celui qu'on cherche. Le drapeau corse, il y a un. Bon, alors c'est parti pour une heure et demie, là. De monter, ouais. De monter de plus en plus raide. Tu leur as dit la vérité? Non. Ouais, la vérité est vraie. Alors Eric. Ah. Là. Alain. Jean-Louis. Ils ont tous le sourire au départ. Marie-Odile. À Fred. On arrive à nous. Et juste après, devinez qui, bien sûr.
notre ami Georges, qui s'est gavé de noix ce matin. Il était avec Robert. Ah, qui c'est qui manque? Voilà, bien sûr, Jean-Marc, là, qui je sais pas qui s'y fabrique. Ils sont en train de régler leur bâton, tous les deux, là. Tu veux les suspensions, quoi? Regarde-moi ça, dit. Ils ont soi-disant des... Ils ont soi-disant des bâtons amortisseurs, mais ils savent pas s'en servir. Oh, merde! Oh, qu'est-ce que tu m'as... Bon, ça y est, ouais! Allez, il crache sur le bâton. C'est dégueu. Ben, c'est ceux qui le guide. On n'est pas arrivé à ce trail-là, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Ça tourne à gauche ou à droite? Là où tu veux. C'est la première fois que j'en vois une. Il paraît qu'il ne te faut pas y pisser dessus, c'est vrai. Mais je croyais qu'il fallait pas les toucher. T'as le ventre qui gonfle. Alors écoutez, bah, écoutez. Les toucher, c'est vrai que ça. Hein? Écoutez les commentaires un peu, dis. Ouais. Non, c'est vrai, ça, Eric. Une salamandre. Non, si non. Tu urines dessus, t'as le ventre qui gonfle. Et si tu tourterelles, qu'est-ce qu'il y a comme tourterelles? Ah oui, ça aussi. Je les attrape, je les donne à Marcel, les tourterelles. Il a mené 5 ou 6 à Marcel, la dernière. Mais c'est bon la tourterelle. Oh non, moi je les mange pas, je les attrape. Comment tu les attrapes? Hein? Bah c'est extrêmement con pour en plus avoir une vue bouchée. Donc je disais, le temps qu'on monte, peut-être le ouais. Vent se lève, sèche tout. Mais les rochers, ça sèche très vite. Ah ouais? Ouais. Il y a du chocolat aussi. J'ai pris... Alors ça s'appelle de la férule, la grande férule. Et mettre quelqu'un sous sa férule, c'est ça. Il y en a un qui fait exprès de faire le bruit avec son papier là-bas. C'est le bâton des maîtres romains. Ouh. Alors ça c'est une plante, il y a une petite toxine qui se met, c'est légèrement toxique quoi. Ça, quand tu le, si tu es là sur une cicatrice, ça, tu la vois là, ça met du temps à cicatriser parce que ça s'infecte. Et chez nous vulgairement on appelle ça du bambou. Et regarde. Ah, non. C'est pas du bambou ça, hein. Non, et ça c'est le bâton des maîtres. Mais du Jedi. Tu savais pas ta leçon? Ouais. Tu sais comment ça s'appelait chez cling, nous? Cling, cling. Mais c'est ça, la férule, c'est ça. Hein. Mettre quelqu'un sous sa férule, c'est ça. C'est le bâton des maîtres romains. Ah, la et les élèves qui ne savaient pas. Et en plus, comme il y a la toxine, t'as un hématome et la toxine empêche de guérir. T'es mort, Robert. C'est ça. Sacrifié Romain, Georges, c'est ça. T'aurais pu venir avec ton drallier, toi. T'es sérieux? Ah non, c'est tout à fait sérieux. Oui, ça, c'est le truc... C'est du bois, c'est la réalité. J'ai trouvé ça bizarre. Et là, les vieux... Au printemps, c'est mou. Donc, les vieux, ils en faisaient une... Ils en faisaient une canne, comme ça, tu la retournes. Et après, tu la... C'est très solide. C'est de l'eau romantique, ça. C'est de l'eau romantique. J'ai jamais touché tout là. Devant, c'est le harich, le gris. Derrière, le rouge, c'est le pain maritime. Et là, vraiment, ça veut dire qu'on est en train de changer de végétation. Si tu vois des harich, quand on va descendre, on va voir que des maritimes. C'est joli les couleurs. Donc là, nous avons un rocher qui est où on voit une érosion qui s'appelle en langue corse des tafogni, ce qui veut dire des trous. Donc ça rentre, l'air, c'est dû à une différence de température qui fait que dans la journée, l'air qui est au-dessus des rochers s'élève parce que les rochers chauffent plus vite que la mer ou que les forêts. Donc ça attire l'air marin qui est chargé d'humidité. L'air marin, il rentre dans partout, hein, l'air rentre. Il rentre dans ses tafognes, dans ses anfractuosités. Il va se coller au plafond. Donc l'humidité se colle au plafond des trous. Et dès que le soleil se couche, ça gèle un petit peu. Et le gel gratte un peu la roche. Tu peux nous le refaire avec l'accent corse? Non. Bon, et après, le rocher en face. Et après, voilà, après si tu veux... C'est la fête, il y a du raisin et tout, dit. Ouais. Ah, pour une fois qu'on peut acheter, là, bon.
la terre du commun, c'est-à-dire toute la partie nord de l'île, et la terre des seigneurs, la partie sud. Parce que les grandes familles, ici, il y avait des familles un peu plus riches, mais pas de grandes familles. Tandis que dans le sud, il y avait des grandes familles, pas nobles, parce qu'il n'y a jamais eu de noblesse en Corse, mais des familles qui étaient très puissantes. Mais ici, non. Hein. En Haute-Corse, à toutes les grandes familles, quick, en 1500. Et là-haut, t'as un grand village, là-haut. Ouais, ouais, enfin, il y a plus de lampadaires que d'habitants. Ça fait loin, là-bas. Ça fait loin, putain, si c'est loin. Ah bon, là, t'as fait loin, mais ça me garde. Ouais, ouais, non, je peux te... Et la voie ferrée. On est Gérard quand ils sont venus avec nous. Comment il s'appelle Jean-Marc là, me dit, j'ai des mecs et je lui dis, je te préviens, nous on y va avec Gérard, moi j'y vais, piano, hein. Ils sont trop sportifs. C'est magnifique, hein. Ah ouais. C'est pour se croiser à deux là avec un camping-car. Le camion recule sur des kilomètres, voilà. Mais là, et après il part en marche jusqu'au finish. Oui, t'as raison. Oublie-moi, je t'abandonne. Si toi aussi tu m'abandonnes. Travailler là, faut bien le travailler. Alors tu me dis où elle est là? Alors là on est en Corse. Oui. Sur un sommet qui s'appelle le Lombarduccio. Quelle est la hauteur? Alors la hauteur c'est 2300. Et là donc on voit, d'ici là on a une vision sur à peu près 80% de la Corse. Pas 360 degrés. C'est un 360 degrés. J'aimerais quand même, mais à peu près ça me gêne un peu. Est-ce que le louche pourrait tourner une scène, tu sais, avec la caméra là, à 360 degrés. Donc là on voit derrière les aiguilles de Bavé là. Oh, attention, caillou. Je suis au genou. Ah, attention, caillou. Mais dégagez du fond là, mettez-vous sur le côté. Mais quand même, tu crois quoi? Ouais, mais il est sur le cul. Il regarde quoi. Arrivé Jean-Claude? Ouais. Après, je sais pas, je peux pas te dire. Nous, à Bozoul, le maire gagne 1400 euros. Et les adjoints, 400 euros. On a un brillant pour chacun, là. Et quel lac vous cherchez? Le lac majeur. Attends, à la brèche. La brèche. À peu près, mais à part. Je préfère leur dire que nous, parce que Thomas pour... Là, ils sont ratatinés. Il y a beaucoup de chambres. Ouais, c'est à faire, hein. Et voilà. C'est sympa. Hein? Pas les sommets mais ça monte. Ouais, là c'est son point le plus haut là. Hein. Une étape. Ouais, 5 heures. Ouais. Tranquille. Mais vraiment tranquille. Soit ça paraît comme ça, mais c'est beaucoup plus dur ce qu'on fait. Hein. Yeah.
C'est le lac de quoi ça? Alors le lac de Capitello. Capitello. Le plus profond de Corse, 45 mètres. Le petit train et les échelles qui descendent. C'est pour que tout le monde puisse monter, hein. C'est tout. Hein. Je suis pas la mousse dans le train. La bière est bonne. Ah putain, t'es ça, oui. Il y en a pas ou il faut encore un peu. Ah, je sais pas, je vois. Non, il faut qu'on ait l'autre. Comment ça s'appelle ça déjà? Orezza. Des Orezza, là, je crois qu'il y en a un arabe, non? On ne savait pas ce que vous vouliez boire, hein. Ouais. Des Orezza, t'en as un autre. Dans les oui, monsieur cours, le Duc. Ah, alors, on a de la chance, c'est ouvert. Voilà. Ça, elle est bonne, hein. Elle est bonne. Yes. C'est une sainte écurie, là, je vous laisse boire, hein. Ouais, ben apparemment aujourd'hui, hein, c'est beau temps sur la Corse. Ça, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est parti de qui partait le jeune. Hein? Ils sont proches, ils avaient tout, t'as pas vu? À 6 ans, 620 kilos dans les sacoches. Hein? Ouais, ben moi, je connais pas le temps et... Tu vas nous dire où est-ce qu'on est ici là? Au col de. Au col de. Aide-moi, allez, col du Renard. J'étais où hier au col? À Boca Soli. On a du Boca Soli, on est. On a souffert pour y arriver, on est à 2300 mètres d'altitude. On a pris 1200 mètres, combien de dénivelé? Ouais. 1200 de dénivelé, on vient de prendre. Et on a même vu sur l'île Rousse. C'est fabuleux, hein? Chez Paco! On est chez Paco. Paco, c'est un mec qui doit baiser à l'époque. Je crois qu'il a chaud. Ah, c'est beau! Tiens, je te sers en face, tu prends la photo. Ouais. Gérard, tu les as fait avec. Ouais. Tu dis quand t'as fait les calanques, moi je crois que j'ai jamais trouvé, même que t'as eu sur Nice là-bas partout, comme les calanques. On a trois pieds d'or, vous voyez. Ça fait là la dernière choco, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Je
c'est pas l'objectif. Il est lointain, l'objectif lointain. C'est cool là. Il n'y a que toi qui vas voir ce matin. Et là, je vois un cairn. À ton avis, Robert, qui c'est qui a bien pu mettre ces cairns-là ? Eh bien, moi, d'après ce que j'ai appris à l'origine, c'était le petit poussé. Oui. C'est lui qui est à l'origine des cairns. Donc, Eric nous raconte des craques depuis pas mal de temps. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et moi, je ne pensais pas que le petit poussé était passé par là, quand même. Mais oui, mais il a laissé des traces. Bon, alors, donc... Je pense qu'Eric, là, il va falloir... C'est un porte-à-faux vis-à-vis du groupe. Et toi, là, tu veux pas tes Manitou, là, tu veux pas jeter son hôtel? Et voilà, nous y voilà dans le cirque de la solitude. Quand même, monsieur. Vous pouvez les yeux à quelqu'un. Voilà.
Attention. C'est pas la gudette, là, hein. C'est pas gudette. Il a envie de te mettre le mets en veste, ça m'arrive. Robert, surveille. Je fais payer. Je fais payer. 15 euros. C'est 4 euros. 50 oh. C'est 15 euros. Voilà, on joue. Alors, goûtez au fond du trou de... ça y est. Au fond du cirque de la solitude. Le trou de la solitude. Le trou de Bonjour. Non, canistrelle. La veuve coudère, le trou. Ah, c'est mal. Merci.